Ce mercredi 3 janvier dans cet à vous sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine, qui recevait notamment Léa Salamé, a affirmé être victime de sexisme dans son émission, et très régulièrement. Chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine prend les commandes de cet à vous sur France 5, un rôle de meneuse qu'elle occupe avec brio depuis septembre 2017, succédant ainsi à Alessandra Sublet et Anne-Sophie Lapix. Cette place de chef d'orchestre, au cœur d'une heure de grande écoute, n'a pourtant pas été acquise sans effort pour la journaliste de 53 ans, qui a débuté sa carrière à une époque où les femmes n'étaient pas toujours bien accueillies dans le paysage télévisuel. Dans une interview avec Téléstar en 2022, Anne-Elisabeth Lemoine réalisait la chance qu'elle avait eue dans son parcours, « Je présente une émission qui a toujours été animée par des femmes, pensée pour une femme et qui, je pense, va le rester. » Ça a donc été un avantage de me prénommer Anne-Elisabeth plutôt que Bernard. J'ai la chance de travailler à une époque où France Télévisions et Delphine Ernotte, la présidente du groupe, ont décidé de mettre des femmes à l'antenne, le timing a été hyper favorable. Anne-Elisabeth Lemoine avait évoqué les difficultés rencontrées à ses débuts se remémorant ses débuts dans le métier, Anne-Elisabeth Lemoine soulignait la période moins propice pour les femmes, à mes débuts, être une femme n'était pas forcément un avantage. Le métier n'était pas aussi féminisé qu'aujourd'hui. Comme beaucoup de mes consoeurs, on m'a confié les questions de santé censées être plus féminines. Il y avait peu de femmes grands reporters, on nous mettait rarement sur les grosses actualités. Heureusement ça a changé. Elle avait évoqué également le soutien de Marc-Olivier Fogiel, avec qui elle a collaboré pendant de nombreuses années. Marc-Olivier Fogiel, lui, s'est toujours appuyé sur sa complémentarité avec les femmes. Pourtant, ce mercredi 3 janvier dans cet à vous sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine, qui recevait notamment Léa Salamé pour revenir sur l'actualité de l'année 2023, a évoqué le sexisme dont elle fait l'objet encore aujourd'hui. L'animatrice de France 5 affirme être victime de sexisme quasiment une fois par semaine dans cet avou alors que Léa Salamé se confiait sur son métier et sur la présence désormais plus accrue de femmes notamment à la tête d'émissions matinales et dans les interviews de politique, la présentatrice du talk show de France 5 a temporisé cette évolution. L'animatrice de quelle époque ? A voulu connaître l'avis d'Anne-Elisabeth Lemoine sur l'existence du sexisme aujourd'hui dans les médias. Il y a plein de fois sur ce plateau où on répond à Patrick ou à Pierre et pas à moi, si est-il quasiment une fois par semaine. Alors peut-être que si est-il parce que je suis vraiment incompétente mais si est-il peut-être aussi parce qu'ils considèrent qu'ils sont incompétents a-t-elle dénoncé. Ça m'intrigue parce que j'avais une vision d'espoir. Moi je l'ai beaucoup ressenti il y a 7, 8 ans quand je présentais avec David Pujada où j'avais l'impression que je posais la question et il répondait à David, j'étais le pot de fleurs à côté. Moi j'ai beaucoup fait de coprésentations, mais j'ai pas l'impression le matin avec Nicolas Demorand, qu'on le regarde plus que moi. J'ai le sentiment que de plus en plus la place des femmes dans les médias, on a vu une évolution. Vous présentez un talk show, il n'y avait pas avant de femmes, a noté Léa Salamé. Yen a toujours pas en quotidien, je suis toujours la seule a tenu à préciser Anne-Elisabeth Lemoine.